acquise, clonade récurrente, etc. On était devant des maladies avec une translocation, par exemple, d'anomalies de structure récurrente. Et donc, l'hypothèse qui a été émise concernant le mécanisme même, c'est que au niveau des points de cassure, il devait exister en fait des gènes ou des anomalies des gènes en relation avec une anomalie de la prolifération ou une anomalie de la différenciation. Donc, nous sommes là dans les années 80, les techniques de biologie moléculaire commencent donc à apparaître, et donc les équipes de recherche se sont mis en quête de trouver quelles étaient les séquences d'ADN se trouvant au point de cassure des translocations. Autrement dit, elles ont cherché à cloner les points de cassure des translocations récurrentes que l'on trouvait associées aux hémopathies malignes. Et effectivement, elles ont trouvé la chose suivante. C'est que au point de cassure des translocations ou des anomalies de structure, inversion ou insertion, ce que vous voulez, on a trouvé en fait que ces anomalies de structure recombinaient des gènes entre eux. C'est-à-dire, il y avait donc, au niveau donc des points de cassure, des gènes qui étaient recombinés, avec des points de cassure en général localisés dans les introns, pas dans les exons. Et de ce fait, la phase ouverte, et c'est fondamental ce que je vous dis, la phase ouverte de lecture des deux gènes recombinés n'était pas altérée. C'est-à-dire que, dans la mesure où la phase ouverte n'était pas altérée, on a pu voir deux conséquences. La première conséquence, c'est que pour certaines d'entre elles, l'anomalie conduisait à l'expression ectopique d'un gène ou à sa surexpression. Ou encore, l'anomalie conduisait à une fusion de gènes. Mais dans la mesure, et ça c'est très important, que les phases ouvertes de lecture ne sont pas, sont conservées, ça veut dire que la protéine qui va résulter de cette fusion génique va conserver les motifs des différentes protéines. Donc une partie des fonctions de chacune des protéines. Ça, c'est vraiment très, très important. Vous avez formation de ce qu'on appelle une protéine chimérique, qui est composée de parties des protéines natives. Alors, on va voir quelques exemples. Donc, deux conséquences. Soit, lors de la recombinaison, vous avez un gène avec sa séquence régulatrice, son promoteur, qui va être mis en contact avec un énhancer fort, ce qui va conduire à une surexpression ou une expression ectopique. Première conséquence. Deuxième type de conséquence, c'est ici, vous avez un gène dont les exons sont caractérisés, les petits carrés orange pour le gène 1, vert pour le gène 2. Et lors de la fusion, vous allez avoir donc un gène. Donc, vous voyez, le point de cassure se trouve dans des introns, et vous allez avoir donc un gène de fusion. Mais vous conservez la phase ouverte de lecture de chacun des gènes. Et donc, vous avez formation de protéines chimériques. Premier cas de figure. En fait, lors de la recombinaison ici, la fusion génique, là, c'est l'énhancer d'un gène A, un énhancer très fort d'un gène A, qui va en fait prendre en fait la régulation d'un gène B, et avec une activation transcriptionnelle de ce gène B. Alors, c'est le cas par exemple où vous avez un gène qui intervient par exemple dans le cycle cellulaire et qui va être recombiné à côté des énhancers des gènes des immunoglobulines. Comme dans le lymphocyte B, les immunoglobulines sont transcrites de façon importante. Si vous recombinez un gène B à côté d'un enhancer fort des immunoglobulines,
ou d'énonceur du TCR, du récepteur T pour les lymphocytes T. Ce gène-là, qui était normalement régulé à un niveau, je ne sais pas, moyen, entre guillemets, ou très faible, va se trouver surexprimé. Et si c'est un gène qui intervient dans le cycle cellulaire, vous comprenez aisément que le cycle cellulaire va s'activer, va se mettre en... Donc la cellule va se mettre à se diviser. Et donc, ben c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ici, voilà une séquence, donc c'est soit les récepteurs à l'antigène cellule T, soit les énantiomères, les immunoglobulines, et donc ça peut vous donner effectivement une activation transcriptionnelle totalement aberrante. C'est le cas, par exemple, d'une translocation qu'on trouve dans des lymphomes et qui est la translocation 11-14. En fait, vous avez un chromosome 11 ici, un chromosome 14 ici. Vous allez avoir une cassure par ici, avec toute cette partie du 11 qui va se mettre sur le bas du chromosome 14. Le tout petit bout, l'extrémité du chromosome 14 qui va sur le 11. Donc, il va vous rester un petit 11 et un grand 14, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que ici, en 14Q32, vous avez les gènes codants pour les immunoglobulines. Et ici, en 11Q13, vous avez des gènes codants pour la cycline D1. La cycline D1 étant le premier step qui permet de passer à une cellule de G1 à S. Donc vous allez avoir en fait une surexpression de la cycline D1 et de ce fait une dérégulation du cycle en G1S. Donc ici, vous allez avoir une augmentation du passage en G1S. Rappelez-vous, vous avez donc ici la cycline D avec CDK. Eh bien là, vous allez avoir une augmentation du taux de cycline D qui va être totalement non lié en fait avec des stimuli extérieurs. Et de ce fait, vous allez avoir une activation du cycle et un passage en S et de façon régulière. Et ça va vous donner un lymphome dont le pronostic est pas bon du tout. Okay? Donc, vous avez une translocation. La cycline D1 est amenée dans le voisinage en fait de l'énonceur des immunoglobulines, ok, des chaînes longues des immunoglobulines, et puis boum, cancer, lymphome en particulier. Donc il y en a plein d'autres, hein. Je vous ai parlé de la cycline D1, mais vous pouvez avoir CMYC, peu importe. Je ne vous demande pas d'apprendre ça, hein. Mais par exemple c'est juste une idée. Par exemple, vous voyez par exemple BCL2, BCL2. Eh bien, BCL2, c'est une protéine qui protège en fait de l'apoptose. Eh bien, lorsque vous mettez BCL2 dans une translocation 14-18, vous mettez le gène BCL2 dans le voisinage de l'énonceur des immunoglobulines, chaîne lourde des immunoglobulines, BCL2 aura une augmentation de son taux, de son expression, et va donc protéger la cellule de l'apoptose. Donc, vous allez avoir des cellules qui ne meurent pas. Et au fur et à mesure, ces cellules vont acquérir d'autres mutations et vous allez avoir un lymphome folliculaire, par exemple. D'accord? Donc, tous ces gènes peuvent être surexprimés. Il y en a d'autres, hein? J'ai mis un petit échantillon. Mais tous ces gènes peuvent être surexprimés lorsqu'ils sont mis au voisinage d'énonceurs forts. Et donc, ça se fait donc, à cause donc, des anomalies chromosomiques. Deuxième modèle, ce sont les gènes de fusion. Comme je vous ai dit, vous avez des points de cassure dans les introns, formation de gènes de fusion qui vont être transcrits en ARN de fusion, qui vont être traduits en protéines chimériques ou en protéines de fusion. Alors, là, ça peut être toutes sortes de gènes. Par exemple, on va prendre par exemple l'exemple, par exemple, de la leucémie myéloïde chronique. Donc là, la 922 qui a été décrite depuis les années 60. Et en fait, en 85, on a pu décrire quelle était en fait la cause moléculaire en fait de cette leucémie myéloïde chronique. Donc je vous rappelle, un chromosome 9 un peu trop grand, le chromosome 22 tout petit, donc on a du 22 qui vient là, et un peu de 9, l'extrémité qui vient au niveau du 22. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'il existe un gène qui s'appelle Abelson, qui est une tyrosine kinase. Tyrosine kinase, donc qui transmet le signal, qui transduit le signal de l'extérieur au noyau.
dans le cytoplasme. Et vous avez formation ici d'un gène chimérique. Le gène de fusion s'appelle BCR, parce qu'il y a une séquence, un gène qui s'appelle BCR ici, pour Breakpoint Region. Donc c'est parce que tout simplement, vous verrez tout à l'heure, il y a plusieurs points de cassure dans ce gène, qui va être recombiné avec Abelson. Et donc ça va occasionner en fait une anomalie de l'expression d'Abelson. Comment? Donc c'est ce que je vous avais montré. On voit effectivement qu'ils sont recombinés. Ces deux gènes, on peut les voir dans les noyaux ou dans les chromosomes. On avait vu cette image. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voici BCR. Et voici donc Abelson. Les points de cassure dans Abelson surviennent dans cet intron, intron numéro 2. Et les points de cassure dans BCR surviennent soit de façon majoritaire dans un endroit, peu importe, qu'on appelle MBCR, ou ça peut venir dans petit MBCR, peu importe. Et en fait, vous allez avoir une recombinaison entre toute cette partie donc, de BCR. Comme la phase de lecture est conservée, vous allez conserver ce motif de BCR et vous allez avoir tous les exons d'Abelson, de l'exon numéro 2 à l'exon numéro 12. Donc, et là, vous conservez effectivement les motifs d'Abelson, c'est-à-dire les motifs en particulier de sa capacité d'être une tyrosine kinase. Donc, vous conservez son activité de tyrosine kinase. S'il y avait une modification de la phase de lecture, les propriétés d'Abelson auraient été modifiées. Donc là, les propriétés d'Abelson sont totalement conservées. Et en fait, qu'est-ce que ça vous donne? Donc voici en fait, là vous avez donc cette recombinaison. BCR a une particularité, c'est que dans sa partie N-terminale, il a la capacité d'entraîner une oligomérisation. Et donc la protéine chimérique, qui aura donc du bleu et du rouge, elle va spontanément se polymériser. Et en se polymérisant, indépendamment du signal que la cellule reçoit, eh bien, l'activité tyrosine kinase va devenir constitutive. Donc, ce qui fait que la cellule devienne cancéreuse, c'est qu'à cause de la translocation, il y a une protéine chimérique qui acquiert une propriété constitutionnelle d'être une tyrosine de phosphorylée à cause justement de la dimérisation. Pas besoin de dimérisation venue d'un signal extérieur. La dimérisation, elle est constitutionnelle et la cellule est tout le temps en train de se diviser. D'accord? Donc, dimérisation de la tyrosine kinase grâce à son partenaire, indépendante de stimulations extérieures, d'où activation constitutive et prolifération cellulaire. Cancer. Pour pouvoir prouver ça, les équipes donc de recherche ont développé de multisystèmes parce qu'on avait effectivement la cause génétique, on a cloné les choses, mais on a aujourd'hui, et grâce au cancer, on a pu construire de très nombreux modèles animaux qui prouvent en fait que la protéine chimérique est une protéine qui entraîne une prolifération incontrôlée. Par exemple, on a fait des souris knock-in, c'est-à-dire des souris dans lesquelles on a introduit le transcrit BCR Abelson. Et en fait, on a lié l'expression de BCR Abelson à la présence ou non de tétracycline, TET. Donc, lorsqu'on administre la tétracycline, il n'y a pas d'expression de transgène. Et voilà ce qu'on observe. Les courbes suivantes. Lorsqu'on retire la tétracycline, on voit en fait que les souris vont mourir. Elles meurent. En fonction du temps. Celles qui meurent les premières sont celles qui ont intégré le plus grand nombre de transgènes. D'accord ? Donc, ceci est un argument fort pour montrer effectivement que le transcrit BCR Abelson, effectivement, est la cause, en fait, de la tumeur. Autre expérience, c'est que là, on a donc... On induit une leucémie en supprimant peut-être, j'avais des cellules... des souris avec un nombre de cellules relativement normal. Et puis là, eh bien, lorsque on retire la tétracycline, hop, on a une augmentation considérable du nombre donc, de globules blancs. Et lorsqu'on réintroduit la tétracycline, tout de suite, ça diminue. Donc ce genre d'expérience montre bien que le transcrit BCR Abelson est responsable en fait du cancer. D'accord ?
Et donc, nous sommes en. Ça, c'est. Cette anomalie a été découverte donc en 1960. Et là, il y a à peu près une dizaine d'années, dans la mesure où on a pu connaître la cause moléculaire, eh bien, on a mis en place, l'industrie pharmaceutique a mis en place des substances anti-tyrosine kinase qui permettent donc de bloquer le site catalytique d'Abelson. Cette molécule, donc.